It's trail season. Je vous montre l'extérieur quand on s'entraîne en train de nager. Il y a trop de nage. Vous ne pouvez pas voir le nage quand vous voyez. La nuage n'est pas très beau. C'est dommage. C'est ça, hein? Les temps changent sur les montagnes, comme je suis en train de dire. C'est ça. This gate has not been paid for. Please purchase a license to use it. Donc voilà, je vais vous filmer ceci. Je trouve que cela très joli. Très beau. Regardez ça. C'est très joli par ici. Oh là! Le petit chat. Donc voilà, j'ai pris mon bain. Là maintenant, je vais commencer. Nous commençons à faire le repas que je vais vous présenter. Une bonne recette, j'espère qu'il vous plaira. Tout de suite. Allô, donc je commence à vous présenter les trucs dont vous aurez besoin pour faire vos recettes. Vous pouvez utiliser du poivron, mais ici j'ai de... Comment est-ce que ça s'appelle encore? J'ai des aubergines. On va faire des aubergines farcies. Donc j'ai des aubergines et j'ai des courgettes.
qu'on a déjà apprêté, on a vidé l'intérieur comme vous êtes en train de voir. Mais comme on va le faire, on va les préparer tout de suite, on n'a pas oublié, on n'est pas obligé de mettre du citron à l'intérieur. Vous voyez bien la couleur, donc ça noircit à l'intérieur. Si vous ne les préparez pas tout de suite, vous pouvez mettre du citron pour que ça puisse conserver sa couleur. Donc là, il n'y a pas de problème. On les fait tout de suite comme je suis en train, de dire. Et puis vous avez besoin des oignons qu'on a découpés, deux oignons. Ça dépend de vous, de votre goût. Donc vous pouvez mettre deux oignons, un oignon, trois oignons. Il y a des gens qui ne mangent pas trop d'oignons, comme vous voulez. Vous avez besoin du poivron pour apporter des couleurs à votre farce. Vous avez besoin des carottes, la quantité dont vous voulez, donc on ne va pas vous dire combien il vous faut. Et ici, c'est de la farce qui était, disons, l'intérieur des aubergines et puis des courgettes. Vous aurez besoin du fromage aussi. Comme vous voulez, vous pouvez le faire sans fromage ou avec fromage, fromage râpé. Vous avez besoin du sel. Vous avez besoin du poivre, vous avez besoin d'ail. Donc vous assaisonnez comme vous voulez également. Et puis vous avez besoin de l'huile. Nous on a mis l'huile, un peu d'huile dans la marmite parce qu'on va d'abord faire revenir tout cela, des carottes, du poivron et puis le reste dans. On va d'abord faire revenir cela dans l'huile, on va faire cuire un peu. Et puis on va aussi mettre du riz. On a fait cuire du riz. Donc c'est avec un peu d'huile, des oignons, de la tomate. Et puis c'est ça, c'est du basmati. Vous pouvez utiliser n'importe quel riz. Et cette recette, vous pouvez la faire comme vous voulez avec tout ce que vous avez dans votre cuisine, que ce soit du riz, que ce soit des légumes. Vous pouvez combiner cela comme vous le voulez. Maintenant, on attend que l'huile chauffe et puis on va mettre des oignons. Et on va continuer. Là maintenant l'huile a chauffé, nous allons mettre des oignons. Que nous laissons mijoter pendant quelques minutes. Et nous allons rajouter les carottes. Les carottes, vous les coupez en tout petits morceaux. Hein. Nous allons mettre un peu de sel. Et là, nous venons rajouter l'intérieur des légumes, donc de. Comment je veux utiliser ce nom? Des aubergines et puis des courgettes. Ça, c'est l'intérieur des aubergines et puis des courgettes. Thank you.
Et nous venons mettre du poivron. Du poivron jaune pour que ça donne des couleurs avec des carottes qui sont oranges. Et puis le reste des légumes. Nous venons assaisonner, vous assaisonnez comme vous voulez. Ça, c'est mon assaisonnement que vous connaissez, ce produit qui n'est pas du tout magique. C'est pour des légumes. Nous venons mettre l'ail. Je préfère de l'ail frais, mais on n'en a pas sur place. Nous venons mettre du poivron.